Dernier appel pour des présentations. Il est temps pour les déclarations des députés. Le député de Elgin Mills, Middlesex. J'aimerais souligner la Journée mondiale de la sclérose en plaques chaque année. Nous célébrons cette journée le dernier jour du mois de mai. La communauté de la sclérose en plaques soulève les questions. Le Canada a le taux le plus élevé au monde. 100 000 Canadiens vivent avec la maladie de la sclérose en plaques. En Ontario, plus de 35 000 personnes vivent avec la sclérose en plaques et chaque personne, trois personnes sont diagnostiquées de cette maladie terrible. Lorsque vous voyez les répercussions auprès de la famille, les aides en naturel et la collectivité, souvent, la nature invisible de cette maladie crée des difficultés pour les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques, car cela touche leur sécurité financière et leur emploi. Les Ontariens atteints de sclérose en plaques ont besoin de notre soutien et un soutien adéquat financier afin de faire face à leurs difficultés quotidiennes. Ces personnes ont besoin de soins coordonnés et c'est à nous de nous assurer que ces personnes reçoivent ces soins. Je porte un œillet pour montrer ma solidarité dans la lutte contre la sclérose en plaques. Chacun d'entre nous, pour mettre fin à la sclérose en plaques dans notre vie et de toucher de façon positive les personnes atteintes de cette maladie. Merci beaucoup. D'autres déclarations? La députée de Connora Red River. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de la question de l'infrastructure de télécommunication dans le nord-ouest de l'Ontario. Une grande partie de ma circonscription n'a pas de couverture cellulaire et de services Internet. Cela empêche les personnes du Nord de compétitionner dans l'économie mondiale, alors que d'autres prennent pour acquis l'Internet en ligne dans d'autres domaines. Quelque chose d'aussi simple que de maintenir l'Internet et son site Web est souvent une difficulté. Souvent, c'est un manque de services cellulaires. Et vous pouvez comprendre pourquoi les touristes qui ont hâte d'aller dans la nature et ces personnes évitent d'aller dans ces régions. Donc, les accidents de la route rendre la situation pire, car ces personnes n'ont pas de service cellulaire pour demander de l'aide. Monsieur le Président, c'est inacceptable à une époque où la majorité du monde, peu importe si la région est éloignée ou pas, ces gens ont accès à ces services. Les gens du Nord en ont marre de faire une demande pour quelque chose qui doit être d'une question d'équité de base. Nous ne devrions pas à générer ces inconvénients injustes. Les voyageurs, les résidents dans le nord-ouest de l'Ontario veulent savoir quand est-ce qu'ils vont avoir l'infrastructure de base et les investissements dont jouissent les autres résidents de la province. D'autres déclarations, la députée de Scarborough. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de la sclérose en plaques. C'est une maladie du système nerveux central. Cette maladie centrale s'attaque aux nerfs et l'information cognitive. La majorité des personnes ayant cette maladie sont diagnostiquées à la fin de l'adolescence. Le Canada a le taux le plus élevé. Environ 100 000 Canadiens vivent avec cette maladie. En Ontario, plus de 35 000 personnes vivent avec la sclérose en plaques. Chaque journée, trois personnes sont diagnostiquées. Comme Journée mondiale de la sclérose en plaques, j'aimerais souligner cette maladie débilitante et de souligner les initiatives qu'entreprend ce gouvernement. En janvier, le 1er janvier 2018, les personnes de 25 ans et moins atteintes de sclérose en plaques auront des médicaments gratuits dans le programme d'assurance médicaments. Le gouvernement reconnaît l'importance de ces traitements pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques. Le gouvernement veut présenter des lois pour élargir des congés personnels d'urgence, en plus du crédit d'impôt. De nombreuses personnes atteintes de cette maladie vivent dans la communauté. Alors, j'aimerais reconnaître Transcare, une agence dans ma circonscription, leur qualité de soins qu'ils offrent. Monsieur le Président, j'encourage tout le monde dans toute la province de reconnaître la sclérose en plaques, mais ce qui est encore plus important, il faut nous soutenir dans notre lutte contre la sclérose en plaques. Le député de Nipissing. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un beau style de vie
dans le nord de l'Ontario, Patty et moi. Nous aimons faire la tournée dans la circonscription chaque fin de semaine. Lorsque je vais chez moi, au petit déjeuner samedi, un groupe de personnes nous ont rencontrés à un restaurant. On nous a servi un bon petit déjeuner, mais la discussion était sérieuse. Personne n'a eu l'écusson de l'orignal. Cette écusson a été... on a émis 106 écussons, 6 l'année dernière et un écusson cette année. Écoutez, c'est leur patrimoine, c'est notre patrimoine et on est en train de le perdre. J'ai promis à ces bonnes personnes que je vais m'attarder à la situation. Et ça n'a pas pris le temps de comprendre le problème. Lorsque j'ai conduit de Echoes à Choke Creek, j'ai vu un orignal mort qui a été frappé sur l'autoroute et qui était allongé au bord de la route. J'ai pris une photo de cet orignal, j'ai affiché cette photo sur Facebook et j'ai demandé s'il y avait d'autres exemples. Donc, quelques minutes plus tard, il y a eu une inondation d'histoires et de photos. À quelques kilomètres de cet orignal, un autre orignal a été frappé, peut-être une demi-heure plus tard, frappé par un de mes amis dans sa Jeep qui n'avait qu'une semaine. Monsieur le Président, ce qu'on demande, c'est que si ce gouvernement se soucie de la sécurité de la population et du patrimoine du Nord, on doit émettre le bon nombre d'écussons à Orignal. Merci, Monsieur le Président. Le 18 avril, j'ai eu une tribune dans ma circonscription de London West. Ce que j'ai entendu clairement, c'est que ces concitoyens sont contre la vente de Hydro One. J'aimerais remercier Angie Thompson qui a participé à cette assemblée et qui m'a donné des cartes postales adressées à Catherine Wynne qui disent que votre gouvernement n'a pas le mandat de vendre notre système d'électricité publique. Cela veut dire qu'il y aura des taux plus élevés et il sera difficile de garder les entreprises ouvertes. Veuillez arrêter la vente de Hydro One. Ce n'est pas à vendre. 80 % des Ontariens s'opposent à la vente de Hydro One. Ce gouvernement libéral continue avec son programme de privatisation. Depuis cette Assemblée, les libéraux ont ajouté plus de parts de Hydro One et approuvé une stratégie de 45 millions de dollars qui mènera à l'augmentation de factures, ce qui a été confirmé par le directeur de responsabilité financière. Depuis, les libéraux ont pris le pouvoir, les factures d'électricité ont augmenté de 50 %. Catherine Wynne ne comprend pas. Les familles de l'Ontario en ont marre et ne peuvent plus se permettre ces augmentations. Les résidents de ma circonscription veulent que Hydro One soit entre gestion publique. Lorsqu'il est question de diminuer les taux d'hydroélectricité, le député de Etobicoke Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est le 100e anniversaire de l'ouverture du camp Kosciuszko à Niagara on the Lake, où des centaines de soldats ont été envoyés pour avoir une formation avant d'être envoyés en Europe et de faire partie de la guerre de la Première Guerre et de libérer les gens de 123 ans d'occupation avec la guerre de 1914. On a commencé à faire en sorte que la Pologne puisse obtenir l'indépendance grâce aux militaires. Des milliers et des milliers de Canadiens polonais et d'Américains polonais se sont rendus à Niagara-on-the-Lake. Le centre de formation était connu comme étant, mais pour les Canadiens, c'était le camp polonais. Ces soldats vivaient dans la région de Niagara-on-the-Lake pendant plusieurs semaines. De nombreuses personnes ne pouvaient pas parler l'anglais et d'autres sont décédés par la grippe de 1918 et ont été enterrés à un cimetière à Saint-Vincent-de-Paul. Après la Première Guerre mondiale, l'indépendance de la Pologne s'est faite grâce à de nombreux soldats qui ont été formés à Niagara-on-the-Lake. Et en 1919-1920, lorsqu'ils se sont battus contre les bolcheviks. Nous remercions les soldats de ce camp polonais ainsi que la communauté de Niagara-on-the-Lake pour les avoir accueillis. Nous nous souvenons de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le Canada et leur patrie également.
le député de Dufferin-Cowan. Merci. Alors que l'année scolaire va prendre fin et de nombreux enfants vont recevoir le bulletin, je me suis dit que j'allais offrir un bulletin sur les sciences des libéraux. Donc, révisons le bilan des libéraux. En ce qui a trait à la crise d'électricité, un document dévoilé nous prouve que les libéraux jouent un rôle politique et ne trouvent pas de solution sur le dossier d'hydroélectricité. Sur la crise en santé mentale, encore une fois, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Nous entendons parler de taux élevés d'hospitalisation et de listes d'attente chez les jeunes sur le dossier de la santé mentale. J'aurais aimé que le gouvernement puisse prendre une décision sur la région de Grand Toronto. Cela fait depuis plusieurs années qu'on attend une décision sur le dossier ouest de la grande région de Toronto. Donc, il y a question de surveillance pour traiter de la dette. Il faut vraiment agir pour faire face au manque de logement. Cette séance fut une déception pour les familles qui voulaient faire face aux vrais enjeux qui sont importants pour les familles canadiennes, de l'Ontario plutôt. Le député de Nickel Belt, la députée de Nickel Belt, je suis heureuse de vous parler de la Journée mondiale de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie neurologique chronique qui endommage les cellules nerveuses dans le cerveau et dans la moelle épinière. Les symptômes varient, mais cela pourrait comprendre l'engourdissement, des problèmes de coordination musculaire, une vision embrouillée et souvent une fatigue incroyable. Les symptômes reviennent parfois de façon plus grave. Les gens vivant avec la sclérose en plaques ont besoin d'avoir accès à des traitements diagnostiques. Malheureusement, l'accès n'est pas équitable dans toute la province. Il y a une grande lacune dans le nord-est de l'Ontario, les gens que je représente. Nous avons le centre Rona Ramsey de l'espoir. Rona Ramsey est une femme formidable de ma circonscription. Elle vit à Naughton. Le centre Rona Ramsey se trouve dans ma circonscription. C'est un endroit où les gens peuvent socialiser, se recueillir et peuvent se servir d'un centre de conditionnement physique ainsi que d'un instructeur pour que ces gens se tiennent en forme. J'empresse tout le monde de se joindre à cette campagne afin de mettre fin à la sclérose en plaques dans cette vie-ci. Je pense qu'on est capable, Monsieur le Président, pour toutes les personnes vivant avec la sclérose en plaques. Je vous souhaite une belle journée et merci d'être venu à Queen's Park. La députée de Ottawa-Vanier. Partager une initiative qui existe dans la circonscription d'Ottawa-Vanier que je représente. Il s'agit d'un concours d'écriture communautaire intitulé « Racontez-nous Vanier ». C'est un concours qui s'adresse à la population francophone et francophile de la région et dont le but est de produire un livre qui racontera Vanier à travers un ensemble de récits, d'anecdotes et de témoignages de gens qui ont vécu, qui vivent ou qui sont passés par Vanier. Ce projet est mené par l'édition David, une maison d'édition à Ottawa qui gère différents projets destinés à faire en sorte que la communauté puisse écrire et lire. Écrire pour se raconter, which was a provincial. Fut un projet provincial qui a permis la publication de 4 nouvelles à propos de la réalité de la diversité de la population francophone de l'Ontario. Les éditions David ont cherché l'appui de nombreux groupes communautaires, dont le Musée au Parc Vanier, qui est un des partenaires principaux. Les organismes ont accepté d'offrir des ateliers d'écriture pour permettre à tout le monde de pouvoir écrire et de se confier dans le projet. Alors, ce projet reçoit le soutien de la Société Trillium de l'Ontario et c'est un bel exemple de l'influence des sociétés artistiques et l'influence qu'ils peuvent avoir sur notre vie culturelle. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont participé. Commentaires et déclarations?